slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour faire part d'un glitch qui vous permettra de dupliquer n'importe quel véhicule de chez Pegasus. Donc moi pour la vidéo je vais dupliquer un Besra, donc je vais le commander tout de suite avec Pegasus. Donc pour réaliser ce glitch il vous faudra deux personnes, donc pour moi c'est Bad Gamers qui m'a aidé, je lui fais une grosse dédicace, vous pourrez aller voir sa chaîne qui sera dans la description. Donc vous allez prendre n'importe quel véhicule de chez Pegasus. Donc vous pouvez apercevoir qu'en bas à gauche le Besra apparaît en or sur la carte, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez bien qu'il est gris et jaune. Donc une fois que vous avez commandé votre Besra ou votre tank ou n'importe quel de ces véhicules de chez Pegasus, vous qui voulez donner le véhicule à votre ami, vous allez monter une seule fois dedans. Donc vous montez bien une seule fois dedans, et une fois que vous êtes monté dedans, vous allez demander à votre ami qu'il remonte dedans. Donc pour moi c'était Bad Gamer. Donc vous demandez bien qu'il ou elle monte dedans, et vous allez devoir vous éloigner et aller chercher un hélicoptère. Donc vous avez le choix, soit vous éloignez en voiture ou alors vous vous éloignez en hélicoptère. Franchement le meilleur moyen c'est de vous éloigner en hélicoptère, car en voiture on va dire que c'est pas vraiment le top, étant donné que vous n'allez pas si vite. Donc là j'ai recevoir un message en bas à gauche disant que mon véhicule a été volé. C'est tout à fait normal, ne vous en faites pas, mais le véhicule apparaît toujours en doré sur la carte, donc je ne peux pas en commander un nouveau. Donc vous allez prendre n'importe quel hélicoptère, et là vous allez vous éloigner le plus loin possible de votre véhicule de Pegasus. Donc vous allez voir que je vais vraiment aller très très loin, je vais même aller jusqu'à l'aérodrome de Trevor, tellement il faut vraiment bien s'éloigner. Donc je sais que c'est relativement long, mais franchement vous pouvez bien dupliquer vos véhicules, et il y a moyen de se taper des barres en dupliquant des tanks avec vos amis. Donc là je viens de m'éloigner super loin, vous avez pu voir qu'en bas à gauche j'ai reçu un message de Pegasus, et que mon avion à l'aéroport n'apparaît plus en doré, et pourtant Bad Gamers est toujours dedans. Donc là je vais appeler Pegasus, et vous allez pouvoir voir que je vais pouvoir commander mon Besra. Vous allez voir aussi que quand je vais aller à l'aéroport une nouvelle fois, ce sera toujours le même Besra, c'est à dire qu'il sera gris et jaune. Donc comme ça il n'y a vraiment aucun fake, vous pourrez tester par vous même de toute manière le glitch fonctionne bel et bien. Là je viens de commander mon Besra, il est vert et noir, il est vraiment super laid, j'aime pas cette couleur, mais bon c'est pas grave. On va se rendre tout de suite à l'aéroport pour que vous puissiez voir que Bad Gamers a toujours mon avion et que moi j'ai celui-ci comme vous voyez sur votre écran. En attendant qu'on arrive à l'aéroport, je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook. Si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Et si jamais vous cherchez, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, n'hésitez vraiment pas, je vous ai mis le lien dans la description. Et pourquoi pas aussi m'ajouter sur mon compte personnel, le lien se trouvera dans la description aussi. Donc là on va vite se diriger vers l'aéroport, excusez-moi. Donc voilà, on va vers l'aéroport. On va aller rejoindre Bad Gamers qui se trouve normalement sur le tarmac, si on peut dire ça comme ça. Donc là on arrive à l'aéroport, Bad Gamers se situe juste sur la gauche, vous allez voir qu'elle a exactement le même avion que tout à l'heure. Donc voilà, elle est juste sur la gauche, on va aller la rejoindre. Hop, voilà, on accélère un petit peu. Et voilà, Bad Gamers a bel et bien l'avion qu'il y avait tout à l'heure, c'est-à-dire en gris et jaune. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes. Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi, je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.